Merci de la mort. Je savais pas trop quel monstre c'était, donc je me suis dit, allez hop, on va le buter, lol. Y a rien, ok, d'accord. C'est bien des fois de faire les camps comme ça. Enfin, les camps. On dirait que, pour moi, c'est un camp de concentration. Bon, dans tous les cas, ça chauffe. Hein. Lol. J'ai gagné le point Godwin. Putain, je buarai plus jamais de Doritos. Je bois des Doritos et je mange du Mountain Dew. Je ne mangerai plus jamais. Et je refais l'erreur. Je ne boirai plus jamais de Doritos. Je refais l'erreur. Je ne boirai plus jamais de Mountain Dew avant de faire la vidéo. Peut-être que du coup, ça fait que je joue comme un MLG, comme le prouvent ses archives. Non, pas ma mort stupide. Non, les bonnes archives. Voilà. Celles où j'esquive tout un peu comme un BG. Ouais, je ziotais déjà pour ma potion. Ouais, je suis pas du tout dans l'optique de... Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je suis plutôt dans l'optique de... Ah, je veux pas mourir! Ah non. Bah au final on a trouvé une potion, encore mieux. Donc si on veut farmer de la pierre de lave comme un attardé, on peut. Ah nice, on a des Fire Blossom Seeds. Bab Seed, what we gonna do, Bon, c'est la musique en tête. Faut que je fasse gaffe parce qu'Hasbro peut être plutôt bâtard avec ce genre de droit d'auteur. Là il y a une épée mais c'est pas une épée comme on voudrait. Tac. On continue, on progresse. Notre recherche là c'est vraiment les coffres des ténèbres. Chevalier du cancer, tu meurs. Ah, il est pas mal celle-là, je la ressortirai. Oh putain, c'est des aides à abréger. RIP l'époque où on attendait 20 ans pour je sais plus trop combien. Il sait même plus à combien il s'était arrêté lui. Mais déjà la plupart de ses vidéos sont passées à la trappe à cause des droits d'auteur. Je trouve ça triste quand même qu'il pouvait pas monétiser ses vidéos parce qu'il faisait un travail gigantesque derrière. Et vu qu'il était seul, c'est limite si le travail était plus gros même que Chevalier du Zodiac normal. Déjà parce qu'il se base sur une œuvre qui n'est pas la sienne. Le concept, faut quand même aller le chercher. Bon, il a pillé des Américains, pillé. Il a repris du concept Amerlock, donc c'est pas comme si c'était l'enfer, même si j'y suis. Mais lui déjà il avait la pression de ah, c'est quand que tu sors une nouvelle vidéo. Putain. Les gars, quand je regardais ce truc j'avais 14 ans, j'étais un peu débile mental à l'époque. Et pourtant je savais déjà que c'était pas bien de... Enfin que c'était presque du harcelage ça. Ah mais vas-y c'est trop facile, après tout tu fais que du doublage. Ouais, l'écriture, le fait de trouver les blagues. C'est comme humoriste mais en mieux en fait. Là dans ma tête ça fait la scène du Roi Lion. Le slime c'est Scar hein. Putain.
Sauf que là, faut dire que le roi lion avait un grappin fait à base de slime. Oh, mais un grappin quand même. On va continuer de bider et fermer notre gueule, hein, parce que après tout, on est là pour ça. Nous sommes des... Ah, je me demande quel est le pays qui crée le plus de travail via le minage. Fais limite si cette conversation est intéressante. J'ai bien dit limite, hein, parce qu'il faut pas pousser mémé dans les orties, c'est de la merde. Mais je sais que les Chinois c'est l'électronique et l'usinage. Les Français ça doit être du travail manuel. Bon, les Portugais, ça y a pas à chipoter, hein, maçon. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on fait autant de blagues sur la pilosité des Marseillais. Enfin, des Portugais. D'ailleurs, un truc sur lequel je comprends pas pourquoi on fait pas assez de blagues dessus, c'est les Italiens. J'ai stressé donc j'ai dit ça très rapidement. Les Italiens, mais ils ont des trucs de taré. Déjà, ils ont école que le matin en été parce que l'après-midi il fait bien trop chaud. Il pleut tellement jamais vers le sud de l'Italie que ils ont pas de. Vous savez, nous on a des caniveaux pour que la pluie elle tombe et c'est bien. Eux, il pleut tellement pas qu'ils en ont pas. Les gars, c'est des putains de barbares, quoi. Les gars, c'est, hein, nous, la pluie. Je ne connais pas ce Pokémon, lol. Allez, voilà, on a plus besoin de ça. Là, on va rush à partir de maintenant, hein, donc... Comment fait-on pour rush? Battle Potion. Ah, je suis un taré. Yolo lolo. Yolo patalo. Comme le dirait mon cher ami. Quand je dis qu'on va rush, on rush vraiment là. Mon cher ami. Allez, oustoupoupoupoup. Tu vas juste mourir et me donner ta poupée vaudou. On bourrine, hein. À partir de maintenant, je vous explique. On joue la carte du bourrin. J'ai notamment utilisé ma poupée vaudou pour ça, hein, parce que... Enfin, ma poupée voodoo. Nya, 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 et puis je suis intelligent. Mon cul, ouais, t'es intelligent que pouic. Je suis en train de me dire, mais cette vidéo elle fait plus de 30 minutes. Je vais certainement pas la couper parce que la plupart des trucs que j'ai dit est peut-être intéressant. Mais oui, sinon, je. Du coup, en fait, ce sera une vidéo en deux parties. Hein. Comme la 3. Parce que le 3 c'est un bon chiffre. Fuyez le chiffre entre le 3 et le 5. Car il n'existe pas. Cette vidéo, enfin cette blague, ça va être ma blague, vous savez, la blague qui nous est propre. Comme la blague préférée des terroristes, c'est leur intelligence. Voilà, lol, car il n'existe pas MDR. On s'amuse dans cette vidéo. Non, ils font des trucs pas possibles pour des conneries idiotes. On est de... Je... C'est vraiment la vie... Enfin, c'est... Ah, c'est stupide. En même temps, je suis quelqu'un qui est athée à 4000%, à tel point que je... suis même en... Je pense être religiophobe. J'ai pas fini du racisme à partir du moment
où la religion a permis la guerre de 100 ans, le terrorisme actuel, enfin, le terrorisme contemporain, vous voyez, parce que j'utilise des mots un peu complexes, hein, n'est-ce pas? Je sais même pas si c'est bon, en fait. Si pour une histoire de Dieu dont on n'a même pas ne serait-ce que la moindre goutte de croyant, enfin de... Est-ce que ça existe? Bah, on sait pas. Est-ce qu'il faut tuer pour ça? Je pense pas. Ma partie scientifique... enfin, ma partie scientifique... Ma partie réaliste voudrait dire que... Ouais, il faut faire des sacrifices pour, humanitaires pour avoir la voracité de certaines choses sur... Enfin, savoir des choses sur certains trucs. Mais si c'est autant de vie humaine pour savoir si lol Dieu existe, est-ce qu'il y a le paradis, est-ce qu'il y a l'enfer, est-ce que au moins on ne fait pas dire à ce Dieu de la merde, ben je trouve ça con. Et ça c'est quand même, ça sort de la bouche d'un mec qui a 17 ans. Alors que les gars qui se suicident ont plus de 30 ans. Enfin non, je connais même pas leur âge et pour être franc je veux pas connaître l'âge de tueur. Parce qu'avant d'être des catholiques ou des musulmans ou ce qu'ils veulent, à partir du moment où ça tue, c'est un tueur. Point barre. Mais bref. Ne tardivergeons pas plus sur des propos pouvant engendrer de la polémique. Car je pense que c'est un débat qui n'a juste pas sa place dans un divertissement. Mais bref. Oui, donc, les Italiens, ils sont quand même cheatés, car ils n'ont même pas de caniveau. Car il y a très peu de pluie. Il me semble que ça pleut 5 fois par an là-bas, un truc du genre. Et au sud, il y a tellement de la plage partout que, ben, laisser ça s'écouler dans la plage et puis c'est tout. Et au moins, c'est bien, ils n'ont pas d'odeur, ça leur fait de la thune. Bon, c'est quand même... Le sud, c'est très pauvre, hein. Après tout, c'est pas Florence ou Rome. Mais... Ils font titre. C'est pour ça que je vois pas pourquoi on fait pas trop de blagues sur ça, quoi. Bon, c'est quand même balèze. Et le plus balèze, je pense, c'est leurs horaires. Ils ne vont pas à l'école le matin. Enfin, ils vont à l'école que le matin. Car, ben. L'après-midi, sinon, tu brûles. Hein, tu meurs de chaud. J'adore le chaud, hein, mais je déteste l'Italie. Bon, de 1 parce que j'aime pas trop être dans un pays qui n'est pas le mien. Hein, parce qu'ils nous volent notre travail. si je pense vraiment ça, je suis le pire des connards après le long texte anti-terroriste que j'ai fait avant. Mais bref. Ensuite... Ils ont des horaires de malade. Premier repas midi. Bon, ça va. Déjà, les gars, ils se lèvent très tôt. Bon, ça va un peu moins, quoi. Les gars, ils sont quand même bien tarés. Mais le pire, c'est que ces gars... Mais ils mangent leur dernier repas. Ils se terminent à minuit. Et ils durent 2 heures. Et pendant ces 2 heures, ils mangent 25 000 trucs. Et les gars, ils trouvent quand même le moyen d'être minces. Ok, d'accord, très bien. Vous me dites comment je vais me faire foutre sinon, hein. Bon. Là, j'ai juste bu une potion pour aller un peu plus vite au niveau du déplacement. Hein. Tac. Mais oui, juste dernière touche sur l'histoire des religions que j'ai commencé il y a 2 secondes, enfin il y a 3 minutes. Je vois déjà les avis arriver en mode « Bah si, ça existe, sinon il n'y aurait pas de livre dessus, tu crois que les personnes les ont inventées ?» La personne qui a créé Harry Potter a créé Harry Potter. C'est pas parce que c'est écrit que ça veut dire que c'est vrai.
J'ai des catholiques dans mon école. Je leur ai dit ça. Ils m'ont tout de suite dit bah ils ont commencé à bugger. Oui mais la Bible, le Coran, tout ça c'est vrai. Partout il y a des mythos. La meuf qui avait sorti je sais plus trop quoi avec les loups, elle a raconté qu'en fait elle avait fait presque le tour du monde pour retrouver ses parents qui étaient partis en camp de concentration. Et qu'au final elle est retournée chez elle et s'était occupée par quelqu'un d'autre. Et même la personne, elle avait volé son jouet qui était un jouet d'enfance, qui était là depuis le début. C'était un cheval qui bougeait. Ouais, bah c'était un livre, ça a été un film. Mais elle a bien dit à la fin qu'elle avait menti. Bon, il n'empêche qu'à l'époque où je l'ai regardé, ben c'était bien. Moi j'ai beaucoup apprécié. Moins beau. Pas étonnant, j'étais jeune. Être jeune c'est con. Pub pour Squalichon. Squalichon fait de très bonnes vidéos sur Terraria, allez le voir. Mais ouais non voilà, tout ça pour dire que grande nouvelle, dans le monde il y a des menteurs. Battle Potion on prend, parce qu'on est des barbares. C'est dommage qu'en foi les jets de bombes ne fassent pas de dégâts. Waouh, 50e démon, waouh, ça se fête. On garde. On garde parce que c'est quand même la classe, je trouve. Une bannière de démon. C'est métal. En fait, je pense qu'on a déjà moyen de rentrer. Mais j'aimerais bien avoir la fleur de feu, en fait. C'est ça le truc. J'allais dire... Ah, serait-ce une façon de rentrer un peu précipitée? Bon, au final, non. Par contre, juste au niveau du nombre de démos, enfin de voodoo doll, on est cheat. Hein. On est vraiment très cheat. Oh, bien. Bien, bien, bien. Fleur de feu. Yes! 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 Fuck! Yes! Non. Voilà, ça c'est une bonne façon de supprimer. Ça on jette. Ah, on a que 290. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis jamais remonté de ma première expédition avec autant de... Ça on a presque moyen de jeter, ça aussi. Ça, du coup, on a moyen de prendre. Potion de vulnérabilité, c'est de la merde. Hein. Faut qu'on m'explique d'où Maurice il meurt. Hein. Maurice, putain. C'est le nom de mon ancien voisin. Putain, il me manque parce que lui, vous savez, c'était un bon voisin. Ah ouais, parce qu'il y a deux types de voisins. Il y a le voisin, vous voyez, c'est un voisin, mais c'est pas un bon voisin. En fait, il y a le voisin où... Bah, c'est un voisin, c'est aussi un voisin, hein. Il habite aussi à côté de chez toi. Mais lui, c'est un bon voisin. Vous voyez ? N'empêche, je sais même plus d'où ça vient, ça, le coup du... Alors, il y a deux chasseurs, tu vois, il y a le chasseur, bon, il voit un mec, il... Enfin, il voit du gibier, il tire, il tue, et... Ouais, mais c'est un mauvais chasseur. Et t'as le bon chasseur, bah il tire aussi, hein, mais... C'est un bon chasseur. On va
va au moins monter jusqu'à 300, hein, c'est le nombre symbolique. Et d'ailleurs, à la seconde où on va avoir du 300, je pense qu'on va partir pour 4 dernières minutes de vidéo, 5 même, hein, parce qu'on est des fifous. On va chercher un dernier. Une dernière potion. Non, une dernière potion. Un dernier coffre des ténèbres. Par contre, j'ai une question. Ça tape qu'une fois et ça rebondit partout. Bon, l'avantage de cette arme, c'est la trajectoire ainsi que la hitbox, que ça, parce qu'en fait la hitbox est craquée. Le fait que ça aille un peu partout, hein, tu peux toujours espérer des kills avec. Potion de titan. Voilà, ça fait un poil plus de dégâts aussi, c'est l'avantage du truc. Mais c'est vrai qu'avant on pouvait. Enfin, c'était contre eux qu'on les obtenait, les. Les Firewalls. Mais c'est vrai que la plupart des ennemis ont des tirs qui passent à travers le mur. C'est cheaté, hein! Mais je trouve que des trucs qui rebondissent partout, c'est encore plus cheaté. Ouais, d'ailleurs pour le timer de la vidéo, du coup je me sers un peu du timer de la potion de lave. D'ailleurs, c'est qu'il y a carrément moyen de remonter dans la jungle. Je déconne pas, je remonte toute la putain de jungle. Je construis une maison. Je fais venir le marchand pour acheter une piggy bank. Et je crée un HLM. Tu sais, t'as des strats comme ça qui se font, qui sont très marrantes. Oh non, pas Dominique, Dominique est mort. RIP Dominique. Dominique, nique, nique. Il y a Gareth. Et on a trouvé un coffre, nice. Nice lui. Et là-dedans, Flamelash. Oh, Elbowing. J'avais oublié cette arme, j'avais oublié. On va jeter ça. On va jeter ça. Mettre ça. Et... elles sont mes flèches de lave. Là. Et on prend. On prend, ça on jette, on en a pas besoin. On prend le coffre. Bon, c'est quand même la classe. Je vais être franc, j'aime pas tout ce qui est beaucoup trop dark. Mais c'était stylé, je trouve. Tac, tac, tac. Ta -na -na -na. Mais ouais, d'ailleurs, le jour où je refais mon nouveau PC, je vous ferai des vidéos de bonne qualité. Promis. Pourtant, on va pas se mentir, hein, mais mes vidéos actuelles, déjà, sont trop peu fréquentes, on va dire. C'est parce que mon PC me démotive beaucoup. 200 Elbat! Ouais! Hey, eh! C'est que cette vidéo. Je vous inviterai vraiment à faire le kill counting, hein, parce que. Faut pas déconner, c'est un peu la classe, je trouve. D'avoir atteint les 200 battes, les 200 la plupart des trucs. Lui, il s'est pris une balle de sniper. Je pense essayer de mettre le marqueur MLG. Ah, cool. Flamelash. Et donc, on a eu la plupart des trucs qu'on peut avoir en enfer. J'ai même une Inferno Potion. Là, je l'ai fait à l'italienne, justement, ça on peut jeter. Pas de très grande importance, ça il faut garder. Ça, allons pas. Boum boum boum. Boum boum boum. Boum boum boum. Boum boum boum. 36 barres de météores. Ça se vend.
ça se vend. On repart avec 20 gold et un inventaire totalement empli de joie et de bonheur. Nous avons parcouru. Pardon, j'allais boire la mauvaise potion. Je veux faire toute la map. On en est tellement proche, so close. Mais tu sais quoi, tu me l'aurais dit, je l'aurais pas cru. Genre, ah non, arrête, on a fait la moitié. Après tout, cette map, elle est gigantesque, hein. N'est-ce pas, comme la taille de mon immense ego. Hein, mon ego est immense, nous sommes d'accord. D'ailleurs, vous savez ce que fait un Lego qui porte des chaussures? Le Lego lasse. Le Lego lasse. Ah putain, pourquoi je fais des blagues de blablabla. Voilà, je le méritais. Putain. Vous savez, je me disais, ça m'étonne, j'ai toujours pas fait de blague de merde. Mais là, oh putain, elle vient d'imploser l'anus des records, quoi. Oui, parce que le record a un anus. 24, ouais, bon, c'est de la merde. Qu'est-ce qui serait très intéressant? Ça en soi, ça augmente mes dégâts de x2. Non, pas x2. Ça c'est. Oui, on va aussi faire le craft dans cet épisode, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Et ça brûle. Ça brûle, ça fait 21 dégâts que tu rajoutes à 24. Voilà. Et du coup, on a cramé la plupart de nos barres. LOL, des barres MDR. Ben, je pense qu'on est extrêmement bon. On revient de l'enfer avec absolument tout ce qu'on peut imaginer. Tout, j'ai bien dit tout, hein. Y a quoi que l'on n'a pas eu en enfer? C'est ça que je vous demande. Bien sûr, pas qu'on peut avoir en hard mode. Parce que je pense qu'on a vraiment tout tué, hein. On est craqué là. Godlie. Oh, en plus, on l'a eu en Godlie le truc. Pouah. On est criqué. Cricket. 123. Bon, ça c'est un peu like a boss, hein, n'est-ce pas? On a eu deux. Mais vraiment, on est bien, hein. Vraiment, on est trop bien, hein. Quand je dis qu'on a tout eu, j'ai tout eu. Ça, on vend. Forceful. C'est dommage, ça soit pas un buff de vitesse. Ouais, là il y en avait pas non plus, donc on s'en branle. Surtout que cette pioche elle est très lente, mais elle tape très fort. Enfin, au niveau des blocs, hein. C'est le one shot quoi. Et donc, dans le prochain épisode de Terraria, que j'ai tourné tout de suite après parce que j'ai envie de jouer. Ou si pour j'ai rien à foutre, hein, mais ça faut pas le dire. J'ai pas de vie. Nous progresserons dans ce monde. Avec notamment la découverte du ciel. Ciel Phantom Eyes, évidemment. Hein, n'est-ce pas? Cette blague, je l'aime bien. Pourtant, je regarde pas de manga. C'est ça qui est fort. Et du coup, voilà, je pense que c'est tout. Non, non, on a aussi obtenu ça, donc ça fait les 5. Bien. Je pense que le prochain épisode sera un épisode court
où je ferai en gros moi ce que je veux faire et où vous aurez juste ma voix sur des images de comment j'aurais fait pour progresser. Ça sera un épisode beaucoup plus monté et narratif. Et mon chien vient de se lever, il a eu une réaction très... Oh putain, Clifford, non! Ah, t'es une horreur. Bon. Mon chien vient de me flinguer les narines. Bref, bah, c'est tout pour cet épisode. Donc, moi, Down Device, m'en vais farmer pour mieux vous retrouver lors du prochain épisode où nous botterons le cul de ce boss nommé Wall of Flesh. Allez, salut tout le monde!